Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans la série un jeu par jour, je voulais vous présenter un jeu sur Commodore 64 et plus précisément le premier jeu que j'ai découvert sur Commodore 64. Des amis de mes parents avaient acheté un Commodore 64. Nous chez nous à la maison on avait juste une Télescore, donc le Pong. Et donc le premier jeu que j'ai découvert sur C64 c'était Grog's Revenge. Et j'ai vraiment pris une grosse claque, j'étais j'ai halluciné, ça peut ressembler à ça des jeux vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais le lancer. J'ai juste lancé tout à l'heure voir s'il marchait. J'ai pas du tout compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais c'est pas grave, on va le lancer. Donc nous voilà sous le jeu Grog's Revenge. Hop, on va le lancer. Allez hop, c'est parti. Donc c'est un jeu où on fait du monocycle. C'est peut-être pour ça que je me suis mis plus tard au monocycle. C'est suite à ce jeu. Je pense qu'il faut ramasser tout. Tous les. Je sais pas quoi. Les déchets, on va dire. Faut nettoyer la montagne. Si on peut soit tomber, soit s'éclater sur le mur du fond. Tiens, je vais vous montrer là. Hop. Compris pourquoi je suis tombé, c'est pas grave. Donc, si vous avez des infos sur qu'est-ce qu'il faut faire exactement, n'hésitez pas. Là 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 là. Après, on peut changer de niveau, on peut. Je vais vous montrer. Un peu trop près. C'est ma dernière vie, faut que je fasse attention. Franchement, je suis sûr, c'est pour ça que je me suis plus tard au cycle. J'étais trop influencé jeune par ce jeu. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vais refaire un deuxième parce que je pense qu'il faut peut-être choper 100 piécettes pour aller franchir le pont. Je vais aller essayer ça. Je vais faire une deuxième partie. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.